Bonjour Ariane. Bonjour. Bon, tu as travaillé sur le projet du court-métrage du nombre au tableau. Oui. Et qu'est-ce que tu y as fait exactement? Eh bien, j'ai joué dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, j'ai regardé un peu le scénario avec Florence. Voilà. On a retravaillé un peu les dialogues. Et puis ensuite, j'ai fait un regard extérieur sur les scènes dans lesquelles je ne jouais pas. Et j'ai joué le rôle de la sorcière de la Villénie, de la baronne de la Villénie, qui était en fait une sorcière, exactement. Qu'est-ce qui t'a emballé pour faire partie de ce projet? Tout d'abord, comme la plupart du temps, c'est parce que ça m'amusait. Voilà, j'ai aimé le projet, j'ai trouvé ça intéressant de mélanger le jeu d'acteur avec les chorégraphies. J'aime beaucoup le professionnalisme de Florence, travailler avec elle, on s'entend bien. Et puis avec toi et Fanny, j'étais très heureuse de cette rencontre. Je trouvais que votre duo fonctionnait très bien, le trio avec Florence. Et puis moi ça m'intéressait aussi, on a essayé avec Florence de chercher un peu à créer une image différente de la sorcière traditionnelle. Et il fallait que dans cette histoire, elle apparaisse sans qu'on puisse reconnaître dès le début que c'était la méchante sorcière, moche, vieille, avec un gros nez, etc. Donc ça nous a amusé de trouver un personnage un petit peu différent. Bah, ton ressenti ou une anecdote ou un ressenti sur le projet ? Moi j'ai passé des bonnes journées, voilà. Je me suis bien amusée, j'ai trouvé l'ambiance extrêmement agréable, un très très bon accueil au niveau du catering, où on a été super bien accueillis, dans les lieux aussi, je connaissais absolument pas, je trouve qu'il reste peu de temps pour que le projet aboutisse, et donc j'espère que la collaboration de tout le monde permettra de terminer le projet dans de bonnes conditions. Et donc si on peut avoir le petit coup de pouce qui nous manque, ce serait pour le plus grand plaisir de tout le monde. Merci. De rien.